Salut à tous, au programme de This is Paris cette semaine, retour sur le succès très tranquille des Parisiens à Célestat. Une promenade avant un duel épique trois jours plus tard, un final renversant et emballant dans la chaude Fens Arena. Enfin, rencontre avec le grand et sympathique gaucher croate, Luka Stepančić. Dans une terre de handball, le Grand Est, cher à Thierry Omeyer, les Parisiens ont pu mesurer leur cote de popularité. Si le PSG n'était pas venu faire du tourisme, il s'est pourtant offert une belle balade. Une promenade de santé face au promu Célestat. Chez la Lanterne Rouge, la priorité était d'afficher le même sérieux que face à Nîmes la semaine dernière. Paris ne s'est pas relâché, abordant la rencontre avec beaucoup d'application. Les champions du monde, Karabatic Chabalo ainsi que Mikkel Hansen font le boulot. Goratzkov assure le show sur jet 7 mètres avec 3 parades. Uwe Gensheimer est une nouvelle fois le meilleur buteur parisien avec 5 réalisations. À la pause, l'affaire est déjà pliée. Paris peut s'économiser et faire tourner tout en conservant la même dynamique pour enlever un 14e succès en 15 matchs. C'était un peu un match piège parce que comme on l'a dit au début du match, ça risque d'être difficile pour le Célestat de se maintenir. Du coup, ils ont plus rien à jouer et nous on arrive avec de la confiance, avec des joueurs aussi un peu fatigués du mondial. Donc voilà, c'était le match piège par excellence. On a beaucoup travaillé à la défense, donc ça a bien fonctionné aujourd'hui. Le prochain match, ça sera un peu plus dur avec une opposition plus compliquée en face avec des gros tireurs, des joueurs qui vont très vite. Donc c'est bien d'avoir pu aussi économiser un peu de jus sur ce match-là. Trois jours plus tard, le Paris Saint-Germain est de nouveau sur le pont dans le nord de l'Allemagne, une terre bien moins accueillante. Paris est sur ses gardes et sait que l'enfer l'attend dans la Fens Arena, la même où il avait pris la foudre en début de saison dernière avec 39 buts encaissés. Même averti, Paris, privé de Hansen et Luka Karabatic, n'a d'autre choix que de subir. Flensburg impose un rythme rapide, les maladresses parisiennes sont immédiatement sanctionnées. Le PSG accuse le coup en fin de première période et dès le retour des vestiaires. Mais il va vite se ressaisir. Nicolas Karabatic et Daniel Narcisse sonnent la révolte. L'entrée de Skov fait le plus grand bien. L'activité et l'efficacité de Jesper Nielsen, auteur de 7 réalisations, maintiennent Paris dans le match. Sur une dernière action, après une interception de Gensheimer, le PSG va même exulter sur une combinaison géniale entre l'ailier gauche et Nedim Remili. Comme à Veszprém, le champion de France signe un succès à l'arraché, capital. On va appeler ça un hold-up parce que c'est une équipe qui à domicile fait toujours des bons résultats contre n'importe qui. Et voilà, donc aujourd'hui on n'avait rien à perdre en fait, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que même dans les moments difficiles, on n'a pas douté, on a joué notre jeu et on s'est fait plaisir, c'est le plus important. Ce véritable petit hold-up méritait bien une analyse à froid. Luka Stepančić a bien voulu décortiquer cette dernière action héroïque. Le Croate se projette aussi sur la fin de la phase de poule et évoque ses ambitions personnelles. Luckily, we had one more timeout, so it was perfect time to take it before the last attack. The coach said to do what we did, so he said Uwe jumps from the wing, no matter how big his corner is. Nedim jumps on Kung Fu, and in the end it finished great for us. We had the same plan in Veszprém when we beat Magyar. That time Uwe shot, he scored. So it was too tough, but great wins. We still hope that we can finish first in a group. It will be a great goal for us because later you have like 2 weeks free for Champions League. You can have more rest, and in the end possibly you can get some easier opponents in quarterfinal. As we still think, nothing is lost. Barcelona has one victory more, but I don't know in which game, but they have to go to Kiel. Away match that we lost. It's not easy to play in Kiel, in Sparkassen Arena, and so we are hoping that maybe Kiel can beat them, and then we have a big chances to finish first. Definitely, every day I feel better and better. The thing what I still want to do better is that we speak French.
more and more, like these interviews. But I hope that till the end of the season, I will improve my French and it gets better and better.